Les cigales se nourrissent de la sève d'arbres ou d'arbustes, qu'elles prélèvent à l'aide de leur rostre situé sous la tête. Les œufs sont pondus en été à la base des troncs d'arbustes et d'herbes. À la fin de l'été ou de l'automne, les œufs donnent des larves qui vont s'enfouir dans le sol. La période larvaire souterraine dure de 10 mois à plusieurs années. Ce n'est que durant la dernière année de sa vie que commence la vie aérienne de la cigale. La nymphe sort de terre et se fixe sur une tige ou un tronc. La cigale se transforme alors en un insecte adulte pour se reproduire seulement durant un mois et demi. Le chant de la cigale est produit chez le mâle uniquement et a pour fonction d'attirer les femelles. Le mâle cigale possède donc un organe phonatoire spécialisé appelé cymbale qui est situé dans son abdomen. Cette cymbalisation est le résultat de la déformation d'une membrane actionnée par un muscle. Le son produit est amplifié dans une caisse de résonance et s'évacue par des évents.